Salut tout le monde! Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, il s'agit d'un challenge ou d'un tag, ça dépend comme vous voyez le truc. J'ai été piochée sur la chaîne de Margot Liseuse. Voilà, j'ai trouvé le concept super intéressant. Apparemment, il est arrivé sur les chaînes francophones il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, et puis il y avait Léa chez moi, donc je me suis dit, bah, elle va servir un peu, hein? Donc le principe est simple, je vais avoir les yeux bandés, d'où l'origine de ce truc, parce que c'est pas la première fois qu'on tourne, là on a eu des petits problèmes. Et donc elle va lire les premières phrases des livres. Que je vais choisir dans sa bibliothèque personnelle. Voilà, tu m'as dit que tu voulais parler, donc vas-y parle, c'est à toi. Et donc je vais lire la première phrase d'un livre, et si elle trouve le titre du livre au bout de cette première phrase, elle a 3 points. Si je dois lire la deuxième phrase et qu'elle trouve, elle a 2 points. Et si jamais elle trouve pas, je peux toujours lire la troisième phrase ou alors la dernière phrase du livre. Dans ce cas-là, elle n'aura qu'un point. Si elle trouve pas, elle a 0 point. On va faire... on ne sait pas encore combien de livres on va faire au feeling, d'accord? Vous avez compris? Donc ben voilà, c'est parti. Elle va choisir un livre et moi je vais me bander très sagement les yeux avec ce foulard qui ne tient pas en place. Avec mes cheveux qui m'embêtent. C'est la fête. Donc normalement, techniquement, ce sont des livres que j'ai tous lus parce qu'il y a des livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas lus. T'as les yeux bandés? Pas encore tout à fait. Donc on a déjà tourné une fois, mais elle va prendre des livres que j'ai pas vus la première fois. Ça serait trop facile, mais je dois dire que je m'étais plutôt bien débrouillée. Ouais, ouais. Livre numéro 1. Donc non, tu m'as surprise d'ailleurs. C'est parti. Vas-y, au revoir. Le premier lundi du mois d'avril 1625, le bourg de Meung, où naquit l'auteur du roman de la Rose, semblait être dans une révolution aussi entière que si les Huguenots en fussent venus faire une seconde Rochelle. Ah, c'est Les Trois Mousquetaires, ça? Oui, Les Trois Mousquetaires de Dumas. D'Alexandre Dumas, ouais. Ouh, 3 points. Je commence bien. Eh, hey, comme tout à l'heure. Attention, roulement de tambour. À la fin des roulements de tambour, t'es censé arriver et commencer à lire. Livre numéro 2. Ah. Chapitre 1. Alors je récapitule. 3 cafés, 2 jus d'orange, plus 5 petits déjeuners avec bacon, pommes de terre sautées et œufs mollets. Mais où est-ce que tu vas me chercher mes livres, quoi? Dans ta bibliothèque. Phrase suivante. Phrase numéro 2. Lisa Goodman prit note de la commande des 5 hommes qui venaient de s'asseoir à la table près de la fenêtre du snack. Oh putain. Lisa Goodman. Oh putain. Ah, ça m'énerve. Oh. C'est pas comment se débarrasser d'un vampire amoureux? C'est pas ça. Parce que j'ai pas lu. Mais je suis sûre de l'avoir lu. Suivante. Phrase numéro 3. Mélanie, de son côté, se la coulait douce. Le ranch de la pleine lune. Le ranch de la pleine lune. Je savais en plus. Un point, ce qui fait 4 points sur 2 livres. Parce qu'elle s'appelle Mélanie et sa meilleure amie c'est Lisa. Voilà, donc là mes cheveux ressemblent à rien, mais sinon le foulard ne tient pas. Je suis en train de me niquer les yeux d'ailleurs. Voilà. Livre numéro 3. La 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 la. N'importe quoi. Complètement. Ah. Chapitre 1. Aujourd'hui, Madame Buster nous a donné notre premier devoir d'anglais. Love letters to the dead. Bah bah. 3 points. Livre numéro 4. Livre numéro 4, c'est ça. C'est encore mon livre. Je me prends. C'est hard. Chapitre 1. Tom, ouvre-moi! Le cri se perdit dans le vent et resta sans réponse. Tom. Ah, la fille de papier! La fille de papier de Guillaume Musso. Ce qui lui fait 10 points. Wouhou! Eh, j'ai fait mieux que tout à l'heure. Grave. Wouhou!
Livre number 5. Chapitre 1. J'étais sûre à 99,9% de rêver. Waouh. Où est-ce que ça sort, ça? Continue. Phrase numéro 2. Les raisons de ma certitude. Premièrement, je me tenais dedans dans un... Premièrement, je me tenais dans un rayon de soleil éclatant. Le genre de lumière aveuglante qu'on ne connaît pas ma... Twilight, Tentation, chapitre 2. Twilight, Tentation, chapitre 2. Tout est dit. Ah non, c'est de Stéphanie Meyer. Ouais, voilà, tout est dit. Je suis trop forte. Livre numéro 6. Je vois absolument rien. Chapitre 1. J'étais arrêtée au feu rouge, à l'intersection de la 17e rue et de Broadway, et avant même qu'il ne passe officiellement ouvert, une meute de taxis arrogants s'était lancée à l'assaut du carrefour, de part et d'autre de cet engin de mort miniature que j'essayais de piloter. Oh mon dieu. Continue. Phrase numéro 2. Appuie sur l'embrayage, lâche l'accélérateur, enclenche le levier de vitesse, lâche l'embrayage. Putain, je vois pas. Troisième phrase. Phrase numéro 3. Je psalmodiais ce mantra en boucle dans ma tête, mais parmi cette circulation régissante, il n'était ni d'un grand réconfort, ni d'aucun secours. C'est quoi? Perdu! Le diable s'habille en Prada. Ah, ok. De Lorraine Weisberger. Ah. Je me souvenais même plus que je l'avais. Je croyais que je l'avais donné, quoi. Livre numéro 7. Et j'ai toujours 10 points. C'est important de préciser. Chapitre 1. Comme les chiens ne lisent pas les journaux, Buck ne pouvait donc pressentir les ennuis qui guettaient tous ses frères de race. Les chiens muscles forts, aux poils longs et drus, vivaient entre le détroit de Puget et San Diego. Ah, je me souviens plus du nom. C'est un truc avec la forêt? Non. Ah mon dieu, je sais quel livre c'est, mais je me souviens plus du titre. Ah mon dieu. L'appel de la forêt. Bien. Putain, 3 points. C'est énervant, tu sais, on sait lequel livre c'est, mais on sait plus le titre. Mets-les bien à leur place. Livre numéro 8. Sinon je te tue. Assieds-toi, si on ne voit pas. Et je m'assois à chaque fois pour lire. Chapitre 1. Il faut cesser de l'appeler comme ça. Elle n'a plus l'âge, dit la reine, debout devant la chambre de... Aïe! We play! Il faut cesser de l'appeler comme ça. Elle n'a plus l'âge, dit la reine, debout devant la fenêtre de la chambre royale. Ah putain. Je sais pas lequel c'est. C'est Charme? Non. Ben Poison. Oui. C'était l'un ou l'autre de toute façon. Ça fait 3 points. 2. T'as dit Charme d'abord, pardon. 2 points. Livre suivant, je sais plus si c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, pas que la vidéo dure 10 000 ans. Ouais, genre vous avez pleuré parce qu'elle dure 30 secondes de plus que la dernière fois. Chapitre 1. Et complètement oublié cette fois. Je me réveillais en sursaut. Tu me réveillais en sursaut? Non, je me réveillais en douceur. Ça me rappelle le début d'Hunger Games? Mais Katniss, elle se réveille et elle voit Prime. Et elle se réveille pas en sursaut. Donc c'est pas ça. Seconde. Je venais encore de faire l'un de ces étranges cauchemars. Ah non! C'est mon bouquin? Yes! Les suceurs de rêve. C'est mon bouquin. La fille, elle est même pas capable de reconnaître son bouquin à la première phrase, quoi. Je vais me pendre. Après, il me fout. The Last! The last books. Book, ouais, je sais. Faut que je fasse aucune faute. Chapter 1. La lettre arriva un matin, portée par les mains blanches et sèches de Sœur Anne.
Oups, t'es saoulé. C'est quoi ce lien? Suivant. Phrase 2. Louis vit tourner la cornette dans l'encadrement du dortoir et la religieuse maigre s'avançait vers son lit d'un pas militaire, tenant devant elle, comme une nouvelle de la plus haute importance, une missive serrée entre le pouce et l'index droit. Ah! Oh putain, c'est le livre que j'ai lu qu'une fois de toute ma vie. C'est le gars c'est un truc pendant la guerre, non? Oui. Ah, je me souviens plus du nom. C'est pas l'aide d'un condamné, non, c'est pas ça. Tes souhaits. Merci. Vie de tranchée. Oui, la vie tranchée. Pam, 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 pam. Ça me fait combien de points tout ça, très cher? Chiaps. Chiaps, pour ceux qui connaissent pas, c'est, je sais pas, elle parle bizarrement. Tes souhaits. Et quand on est malade, on reste chez soi. Et on se met pas en short. T'as plus envie de parler là? Donc voilà, je sais pas combien de points ça me fait tout ça. Je sais pas non plus quel nombre de livres on a fait, mais c'est pas grave. Perso, moi j'ai bien aimé faire cette vidéo. Tu vas regarder, ça m'a empêché d'éternuer. Donc voilà, je sais pas si ça lui a plu. Ça t'a plu? Ah oui. Ouais. J'aimais bien qu'elle se ridiculise devant vous. C'est là où on voit l'amitié. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai bien évidemment les titres et les références des livres en barre d'infos. Si vous aussi vous avez envie de faire ce tag, n'hésitez pas, amusez-vous à coller le lien de la vidéo en commentaire. Je m'amuserai à aller voir les vôtres aussi. Moi aussi. Voilà pourquoi il n'y en aurait que moi qui devrait me ridiculiser. Hein, voilà. En fait, c'est bien ridiculisé au bout d'un moment. Ah ouais? Je sais pas ce que tu m'as fait une bouillie de mots. Donc, ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Juste une petite information. Ah, je croyais que t'allais éternuer, c'est pour ça que je te montrais. Ah. Juste une petite information. Ah, juste une petite information. Les livres du mois que je fais généralement ben, chaque mois, ce qui paraît logique, je les ferai cette fois tous les deux mois parce que pendant le mois de septembre, j'ai lu qu'un seul livre. Donc, ça, c'est pas très intéressant de faire une vidéo sur un seul livre. Donc voilà, la prochaine vidéo, ce sera en octobre sur les livres de septembre et octobre en espérant que j'aurai eu un peu plus de temps pour lire. Voilà. Bon ben, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu, mais ça je viens de le dire, je fais que me répéter, il faut que j'arrête. Et j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter, kiss!